Vas-y, voir qui. Ah bah lui, il y a le petit. Le petit, on ira le ranger. Donc ça, c'était celui d'hier. Non, celui-là, on le laisse. C'est le 21. Le 18, c'est celui-ci. Ah, c'est mon cœur. Qu'est-ce que c'est dedans? Ah, l'étoile pour mettre sur le sapin dans la chambre. Oh, montre à maman. Waouh. On va la mettre sur le sapin après. On va y la mettre sur le sapin. Attends. Attention à toi. Viens, on va la mettre dans le sapin. Dans le dressing. Vas-y. Non, pas celui-là. Le petit sapin pour jouer de tutut. Ah, on ne voit plus. Ah, on ne voit plus. Vas-y, tout droit. Vas-y. Alors, j'avais mis ici. Là, le sapin. Alors. Alors, attends. Maman va poser deux secondes. On voit pas grand-chose. Et on va mettre le petit sapin. Il est là, le sapin. Et je vais poser. Et voilà le petit sapin. Oh, qu'est-ce que c'est? Allez, vas-y, tu regardes. Ouais, une barque in there. Tu montres? Ouais. Moi aussi, j'arrive. Et ensuite, hop, dans celui-ci, dans le Milka, il y a quoi? Oh, une pomme de pain. Ah, bah oui, tu veux. Il a été rapide celui-là. On n'a pas eu le temps de l'avoir. Tu as aussi tout ouvert, aussi tout rangé. Hein. De quoi? Mais on va pas te la prendre. Je te la prends pas, je te le laisse. Mais ne me regardez pas manger. Hein? Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? La photo avec le Père Noël. On va se préparer pour aller faire la photo avec le Papa Noël. Ouais. Salut. Attends mon cœur, après ce sera quoi? Alicia, regarde papa. Non Alicia, non Alicia, non. C'est 18 mais c'est pas à toi. Oh mais Alicia elle va tout trouver. Une petite pomme de pain. Ouais. Ensuite, dans le fond vert. Là où tu as ton doigt, tu as ça en vert. Une barque in there. Ah, t'as vu. Non, non, la pomme de pain. Encore une fois, je vais la ranger. Bah, tu attends. C'était toi en premier, mais tu faisais pipi avant. Remets bien ton pantalon de pyjama. Le combien? Le 18. Déjà? Aïe, bah oui. C'est si dur que ça? Ah, c'est la jupe d'une fille que j'ai. Ah, cool. C'est une petite jupe. Une petite jupette avec... Ah non, c'est une jupette. Ok. Dans le Sephora aujourd'hui. Alicia, s'il te plaît, tu dis pardon. Alors, il est où le 18? Merci. C'est une lime à ongles de Sephora. Voilà, vous le voyez. Mais non, là, c'est pas fait pour sentir. Feuille à décoller. Des feuilles à décoller. Eh, mais s'il te plaît, Alicia. Oh, tu m'agaces, hein. Voilà, bisous. Le Papa Noël pour faire la photo. Faire la photo. Viens, mon bébé. Coucou, on va faire la photo avec le Papa Noël. Ouais. Léana, enlève ton écharpe. Et mon manteau. Enlève-lui, ouais.
Non, non, mais c'est juste pour... pour voir sa réaction. C'est la première fois, attention. Oh bah déjà t'as le sourire. Ah, oh, c'est pas pas attention, papa. À deux jours. Bravo. C'est là qu'on a fait la photo avec le parfum de Noël. C'est joli, hein, petit bout comme ça. Et après, bah, là, vous avez l'entrée de champ. Hein. Tu veux lui enlever son écharpe ou pas? Pour pas qu'elle ait trop chaud. Coucou les filles. Wow. Oh, c'est génial. Dans quelques années, ça va être ça. Il y en a qui conduisent que ça sert à un côté. Ah, mais ils en font. Ah, t'es bébé. Oui, il n'y a pas de pompon dans celui-là, mon cœur. Je sais pas si c'est bonbon ou pompon. T'as fait des pouettes-pouettes. Un petit, la petite péquée au passage. Avec moi. Ah, tic, vous êtes belle. Jouer à quoi? On joue à forme et couleur.
D'accord. En fait, c'est des affiches. Il y a des trous. En fait, il faut lancer un dé. Ouais. Il faut lancer un dé. Et si c'est un bonhomme, il ne faut pas jouer. Si c'est une couleur, tu vas dire, par exemple, si c'est du jaune, tu choisis une forme et tu la mets sur ton truc. D'accord. C'est le premier qui a fini sa tablette, qui a gagné. Ouais. Alicia, on fait ça? Attends, parce que Alicia... Tu fais pas avec le dé, Léana, elle est trop petite. Elle a lancé du jaune. C'est ça, à partir de quel âge, ce jeu? Il y a un âge. À partir de 3 ans et plus, c'est de 1 à 4 joueurs. Partir de 3 ans et plus. C'est des jeux que tu as eu quand tu as eu 3 ans. Et plus. Bon. Faut la plier la feuille, hein, parce que là. Non. Elle rentre pas comme ça. Mais Alicia, faut pas. Mauvais manger. Sens, ouais. Elle a bien. Range pas. Tu veux pas les petites formes dedans? Non? Tu préfères ranger? Regarde-moi, je regarde. Je mets. Regarde, maman, là, je. Mais on va le mettre? Non, pas là, on le mettra tout à l'heure. Regardez, c'est qui ça? Mickey Noël sous la neige. C'est un DVD. Léana et toi, vous avez eu Alice au pays des merveilles et Mickey. Moi, je connais Alice au pays des merveilles, mais c'est ça, qui? Mickey Noël sous la neige. C'est qui? Hein? Alicia, c'est qui? Non, 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 tu vas déchirer. C'est qui? Tu déchires pas. Bah, enlève ta main. C'est qui? Il y en a, tiens, comme ça. Vas-y, tire. C'est qui? C'est qui, lui? Mickey. Comment tu dis? Mickey. Tu dis? Mickey. Non, tu dis pas. La belle et la bête. Oh, avec la belle et la bête dedans. Et Bambi. Et Bambi. Tu vois? Ben, on regardera tout à l'heure, après le 4h. Ah, il y a même les... Coco. Après les le 4h. Pas tout de suite. Il n'est pas là. Coco. Le 4h, ouais. Tout à l'heure. Moi, j'ai mal à la dent. Ah, ben, il faudra bien te laver les dents après, moi, après le 4h. Coco. Les 4h. Coco. T'es belle. Ah, les 4 heures, tout à l'heure. Il n'est pas là. Il est dans 10 minutes. Coco. Non, Léana. C'est après, c'est moi qui fais le ménage. D'accord? Et tu les as en coco. Dans un sac. Après, le 4 heures, oui. Dans et ça, c'est qui? Mickey. Mickey. Comment tu dis? Miska. Mosca. Mickey Mouse. Mickey, c'est magique, c'est fantastique, il l'a fabriqué, Mickey, avec tous ses Donald, amis, et avec Daisy, et avec Dingo, et avec Pluto, et avec Minnie, et avec Mickey. Nana, elle danse et elle chante. Il a fabriqué Mickey. C'est magnifique, il n'a pas vécu. Ouh, oulalalalala. Tu ne reprends pas une bigne encore, hein? T'as assez de la joue. C'est magique, c'est fantastique. C'est la fête de la vie. Après. Tu vas retomber, la Alicia. Tiens, là, t'es qui tombe. Pas la bouche.
Non. Non. Enlève. Alicia? Non, pas la bouche, sinon je le range. Je me lève? Pas la bouche. J'ai dit pas la bouche. Attention, hein. Non, je joue pas. J'ai dit pas la bouche, c'est tout. On met pas la bouche. Le doigt, si tu veux, mais pas le dé. Non, j'ai dit non. Youpla. Montre-lui comment on s'en sert. Ah, évite de mettre par terre, hein, il y a une table, Léana. Non. Ah, pardon. Il est... Jaune. Non, pas la bouche, non plus. J'ai dit pas la bouche non plus, les jouets. Alicia? Tu viens par là avec le jouet. Je vais mettre une fessée. Hein. Alors arrête. Arrête. Tu le ramasses et tu vas ranger. C'est Twinnie qui l'a. Bah oui, tu l'as lancé à Twinnie. Alicia, on va danser sur la musique. Donc on prend les petits biberons. C'est beau, hein, mon bébé. Léana devant la télé. Hop, et nous, là, j'ai préparé à manger. Et des piconini, donc au fromage, épinards, saumon et thon. Voilà. Tu laisses les piconini. Tu prends ta soupe si tu veux pour la mettre dans ton biberon. Non, ça c'est le four. Là. Voilà, tu prends ta soupe. Okay. Voilà. On referme. Voilà. Oh. C'est à quoi que tu as choisi? Non. Tu montres à maman? Pour que je la mette dans ton biberon? Non. Non? Bah alors? Bah, hey, tu fais comment moi? Tu peux pas la manger? Bah oui, pas avec les dents. Hein. Merci, c'est aux légumes verts. Donc, juste avant, on met pour les dents. Chamomilla 9CH, 5 granules le matin, 5 granules le soir dans son biberon. Et c'est suffisant jusqu'à temps que toutes ses dents soient sorties. Et avec ça, je n'ai aucun souci. Oui, Léana. Ah oui, fais attention à tes petites dents, c'est chaud en plus. Donc voilà, mangez tes petits piccolini, c'est trop bon. Oh, c'est mon bébé aussi avec son petit piccolini, parce qu'elle a fini son biberon de légumes. C'est un petit peu chaud, hein? Ben oui, c'est chaud. Coucou! Oh, j'ai une mèche rebelle, moi. Ah ouais, mais derrière. Quoi? Là. C'est mon petit chat. Bonjour mon petit chat. Non, les picolini au thon, c'est pas pour toi. C'est bon, nous. Ah ouais. Ouais, non, 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 lui donne pas. C'est pour toi. Non, 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 prends, c'est pour toi. Elle est gentille, ma fille. Partage tout sur mon repas. Bisous. Histoire pour attendre Noël. Recherche Mère Noël. Marcus adore le Père Noël. Dans sa chambre, sur ses murs, qu'y a-t-il? Plein de dessins de Père Noël. Qui est assis? Qui est assis sur son étagère? Un pantin du Père Noël. Et qu'est-ce qui est rangé sous son oreiller? Un pyjama de Père Noël. Et la Mère Noël? Se demande Marcus un matin. Je crois bien qu'elle n'existe pas. C'est trop triste, je vais arranger ça. Alors il passe une petite annonce. Recherche Mère Noël, doit aimer le froid, le rouge et les barbes et être une pro du traîneau. Bientôt on frappe à sa porte. Voici Sheila, la mécano, la blanchisseuse Eugénie,
et une inconnue qui s'appelle Noémie. Première épreuve, annonce Marcus en montrant une luge et des peluches attelées les rênes au traîneau. « Je m'en occupe !» cria Sheila, la mécano. Elle fait et défait des nœuds et les rênes en peluche sont attachées à la luge en moins de deux. « Ce n'est pas du tout comme ça !» s'exclame Noémie. Mais Marcus et les autres ne l'entendent pas. « Sheila, bravo !» déclare Marcus. « Tu mènes 1-0. » Pour la deuxième épreuve, il faut transformer des soquettes blanches en chaussettes de Père Noël. « Ça, c'est ma partie !» assure Eugénie. Elle s'enfuit avec les soquettes direction la blanchisserie. Bientôt, elle revient avec des chaussettes rouges tomates à la main. C'est tout faux, proteste Noémie, mais personne n'entend un mot. Un point pour toi, Eugénie, compte Marcus. Dernière épreuve, faire 3 tours du jardin en maillot de bain. Eugénie et Sheila ne disent rien, mais Noémie se met en bikini. 1 tour, puis 2, puis 3. Elle n'en craint vraiment pas le froid. Marcus est bien ennuyé. Toutes sont à égalité. Comment décider? Facile, dit Noémie. Et enfin, tout le monde l'écoute. Sheila et Eugénie ont bien travaillé, mais elles se sont trompées. Le traîneau, ce n'est pas pour tous les jours. En général, le Père Noël préfère monter sur le dos des rennes, comme Zorro et Tornado. Et ses chaussettes ne sont pas rouges, mais roses bonbons avec un petit pompon. Marcus n'en revient pas. Comment sais-tu cela? Parce que, répond Noémie, il n'y a qu'une Mère Noël, et c'est moi. Alors bien sûr, c'est elle qui a gagné. Avant de s'en aller, elle offre à Marcus une photo top secret, le Père Noël en chaussettes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On vous fait de gros bisous. Et on vous dit à demain. Ciao.